Mes carottes, elles sont belles, mes carottes. C'est qui ceux-là? On les a jamais vus. Et voilà qui vient nous rapiner la clientèle en plus. Ah, je ne sais pas, mais je t'assure que je vais découvrir ce qu'ils font là. Qu'est-ce que vous avez encore les paillards à clamauder, à jurer comme des charpières? Oh toi le gueux, retourne à ton bruit pour voir s'il y suit. Viens le cendre, on va voir ce qu'il mijote. Qu'est-ce que donc que vous vendez là? Bien veigné, on ne vend rien ici, on donne. Mais qu'est-ce encore que cette manière de gérer les affaires? Tu vois, quand je te disais qu'ils allaient nous prendre tous nos clients. Non, point du tout. Nous donnons des paroles de vie que nous avons traduites dans les langues du peuple. Tenez, en voici un pour vous. Aimez-vous les uns les autres? Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Et puis d'ailleurs, depuis quand le peuple sait-il lire? Bien, Clotilde, nous n'avons rien à faire avec ces fauteurs de troubles. Encore une magnifique récolte cette année. Ça, tu l'as dit, cette semence est incroyable. Bravo, jouvencelle et bonne santé. Pourquoi tant d'agitation? On a récolté pas mal de blé avec la nouvelle récolte. Le Santos Graal, c'est cela? Ça nous vient tout droit de Terre Sainte. Oui, ce n'est pas en continuant à bavarder que le travail va avancer. Et ce qu'il reste sur le côté, c'est quoi? Seulement de la paille pour les animaux, ce n'est pas avec ça qu'on va manger. Paraît que c'est vous les chevaliers de la table carrée? En fait, c'est plutôt la table ronde. C'est exact. Je suis messire Gauvin, et voici messire Yvain et messire Gaal pour vous servir. Nous sommes toujours à la recherche de l'objet mythique. Emblématique. Mystique. Excentrique. Et fantastique. Savez-vous de quoi nous parlons et où il se trouve actuellement? Et voilà qu'ils se mettent à faire des rimes maintenant. Pour parler en français moderne, ils cherchent le Saint Graal. Pourquoi vous le cherchez? On a trouvé le nôtre, ça nous suffit. Nous l'avons planté le Saint Graal et sa récolte est bonne. D'ailleurs, il serait peut-être temps de vous y remettre, non? Bonne continuation, les donzelles. Vous nous faites rougir, messire. Du Dieu, on aura tout y dire. Maintenant, ils les traitent comme des damoiselles. Nous ne méritons pas un tel traitement, nous ne sentons pas la rose. C'est exact. Je ne dis que ce que je sens. Thank you.
parler, mon frère. Mais oui. Mais que voulez-vous, ma sœur? Avec Garibus brûlé vif à Constance comme hérétique, c'était prévisible. Rendez-vous compte! Je l'ai lu dans les dernières nouvelles du colporteur. Il s'est opposé à Rome. Il a traduit les évangiles dans les langues du peuple. Le peuple pouvait même boire le vin de la Seine. Et j'en passe. On ne va tout de même pas les laisser corrompre les agneaux du Seigneur et déverser leur battelage. Et d'ici qu'ils nous ramènent encore des épidémies, il faudra porter un voile. Oui, mais sur le nez, le voile. Je ne vous attendais pas de sitôt, mais vous tombez bien, les affaires vont mal. Très mal. J'espère que vous m'avez ramené quelque chose. Oui, comme convenu, un bout de la crèche pour compléter vos reliques, ainsi que le crâne de Saint-Lazare. Ah, ça va faire remonter les affaires, je vous dis. Non, parce que les lettres d'indulgence, c'est bien pratique, mais il n'y a pas assez de populace. C'est vrai que j'en vois un peu plus depuis que j'ai installé le bas-relief représentant les enfers, mais bon... Avec cette relique, vous allez pouvoir en ramener du peuple, mon père. Qui plus est, nous avons discuté à ce sujet de ci, de là, pour vous faire connaître. Il faut que mes ouailles le sachent. Je vais organiser un mystère. Tenez, Judith, chargez-vous de me trouver des comédiens. Pendant ce temps, nous ferons ripaille. Je vais tout de suite écrire au seigneur du Crax. Oh, mon frère, vous ne croyez pas qu'il y a assez de choses mystérieuses comme ça? Un mystère? Vous voulez vendre des glaces? On parle d'une pièce de théâtre sur un épisode biblique, pas d'une chasse au trésor. Vous êtes parfaitement bilingue, messire. Sous-titre russe pour vous servir. Eh bien, sous-titre russe, rends-toi utile et viens m'aider à compter la quête de ce matin. Or, y allons, messire. Bon, eh bien, je sais ce qu'il me reste à faire. Faire monter le plus beau mystère pour amener les oies sur le droit chemin. Les affaires reprennent. Vous l'avez dit, mon père. Goulayant, tavernier. Nos gosiers sont secs. Et voilà pour vous. Vous avez entendu cette histoire de Marsan? Si oui dire, Clotilde ne parle que de ça depuis qu'elle est rentrée. Tout le monde ne parle que de ça dans les chaumières et de l'arrivée des chevaliers de la table ovale. En fait, c'est plutôt la table ronde. Ovale, ronde, carré, triangulaire, c'est la même chose. Arrête de fanfaronner, sous-titre russe. Tu cherches toujours la petite bête. Ah, ils sont ici? Ils sont revenus de croisade pour le pape? Vous savez, il y a l'histoire de Graal. Le colporteur est venu ce matin. Et vous savez quoi? Il a ouï dire que le Graal n'était pas loin. Et que ses messires étaient certainement en train de le suivre. Ils peuvent poursuivre leur Saint Graal. Moi j'ai le mien. Un bon vin de paille. Tout de même, les chevaliers étaient chez le moignon aujourd'hui. Il en saura peut-être plus. Partance, morbleu, resserre-nous une bonne pitance en l'attendant. Comment ça, partant? Partant de pluie, de falaise? Mais non, partant, comme tantôt ou plus tard, si tu veux, mais quelle ignorance tout de même! Ah, vous croyez que ces marchands ont quelque chose à voir avec le Graal?
ces marchands de pacotille, ma femme m'a dit qu'ils vendent des parchemins de Sainte Écriture. Non, c'est juste des païens venus s'enrichir en vendant leur chiberne. Oui, tu as raison. Voilà, la ripaille, mangeaillons avant que ça devienne froidure. C'est encore le moine du village. C'est la troisième. Encore de l'argent, je suppose? Une histoire de blé, mais ce n'est pas très clair. C'est-à-dire? Il veut organiser un mystère au sujet du blé et nous quémande de lui prêter un espace dans le château. Vraiment? N'avons-nous pas déjà assez à faire avec ces messires de la table carrée qui sont censés arriver ce jour? La table ronde, madame. Oh, Soustitrus, tu vois pas qu'on discute, là? D'ailleurs, Guenièvre, tu devrais aller te préparer. Ils vont arriver sans répit. J'y vais prestement. J'y emmène Marianne aussi. Quel est l'objet de cette soudaine idée? Oh, je ne sais pas. Il veut certainement élever sur le pavois certaines de ces nouvelles richesses dont il parle dans sa lettre. Il veut dire que le moine souhaite mettre en évidence ses nouvelles reliques. J'avais compris, Soustitrus. Merci. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi maintenant, alors que nous avons déjà tant à faire. Paige! Faites dire au frère Tuck qu'il peut disposer d'un espace dans le château comme bon lui semble, mais cela lui en coûtera. À vos ordres, monseigneur. Soyez le bienvenu, noble et proche chevalier. J'ai ouï dire que votre croisade ne fut pas de tout repos. Non, il est vrai que les combats étaient rudes. Nous sommes fiers d'avoir guerroyé pour le pape. Mais il nous fallait remplir une mission encore, plus grande encore. Retrouver le Graal à la demande de Sa Majesté, le roi. Nous avons ouï dire que des gens de par chez vous seraient en sa possession. En savez-vous davantage? Hélas, messire, que des rumeurs, tristeusement. Des marchands venus de Donne Séou font bavarder le village toutefois, mais rien de plus. Passerez-vous la nuitée ici?
si cela ne vous encombre point. Je vais vous faire préparer une bonne pitance pour ce soir. En attendant, disposez de vos appartements comme bon vous semble. Pensez-vous qu'il soit utile de rendre visite au Merlin Papin ? Avez-vous besoin d'un charmement ? Point du tout, mais peut-être aura-t-il eu vent du Graal. Après tout, vous n'avez rien à perdre. Il est chez lui présentement. Prenez ses lanternes pour vous y rendre. Oui, monseigneur. Voilà devant l'antre du vieux fou. Bon vêpre, Merlin Papa. Oh, qu'est-ce que ça pue chez vous? Chut, pas si fort! Cherchons le Graal. Est-ce que vous n'auriez pas une idée de là où il se trouve présentement? Pas le moins du monde. Tenez, passez-moi le verre qui est là. Mais qu'est-ce que c'est que cette invention et que ce breuvage? Une paille à boire. Encore une idée bizarre de sorceresse. Alors vous, contentez-vous de trouver la poutre dans votre œil avant de trouver la paille dans celui de votre voisin. Mais qu'est-ce que c'est que ce farfelu encore? Mais oh, une maison de paille où l'on rit vaut mieux qu'un palais où l'on pleure. D'accord. Et sinon, vous n'avez pas quelque chose qui pourrait nous avancer? Mieux vaut être la paille de blé que la graine de mauvaise herbe, n'est-ce pas? Ma parole, mais il est fou! Encore un qui s'est échappé du puits du fou. C'est impossible, ce parc n'existe pas encore. Une dernière chose. Seul l'homme de paille se voile la face. Mais celui qui se sert de son intelligence n'aura aucun mal à percer le mystère. D'accord, vieux fou. Allez, partons. La nouvelle jouvence, incapable de comprendre quoi que ce soit. Eh bien, nous voilà aussi avancés qu'au début de notre quête. Chevalier, ne perdons pas espoir. Facile à dire. D'ailleurs, Yvain, pourquoi est-ce que tu as pris une table carrée?
Eh bien, il n'y avait plus de table ronde chez Décathlon, le forgeron. Eh ben, on va vraiment passer pour des gueux si ça continue. Nous ferions peut-être bien d'abandonner. Qui sont ces gens? Oh là, arrêtez-vous! Bien le bonjour, messire. D'où venez-vous? Nous revenons de Terre Sainte. Nous avons quelques missions à effectuer avant notre retour. Et de quoi parlez-vous donc en arrivant? Nous avons oui le mot Thébène. Qu'est-ce donc? Un trésor? Thébène veut dire paille en hébreu. Mais pour certains, il n'est que rebut et déchet. Tout juste bon pour la litière des animaux. Mais pour d'autres, c'est un objet précieux au sens multiple. Précieux, c'est-à-dire? Le plus grand des rois s'y est couché. Mais de quoi parlez-vous donc? De la paille, évidemment. Oh non, ça a pas recommencé avec cette histoire de paille là. Vous êtes les chevaliers de la table ronde, n'est-ce pas? Ah enfin, ce n'est pas trop tôt. Depuis le temps que je me pourfonds à vous le dire. Non, Sautitrus, notre table est devenue carrée. Et d'ailleurs, que fais-tu là? C'est frère Tuck qui m'envoie vous chercher. Le mystère va bientôt commencer. Nous partons d'heureux, chef. Venez avec nous. Nous vous rejoindrons plus tard. Nous avons encore à faire. Mademoiselle, Marianne, regardez qui arrive. Oh, je n'en crois pas mes yeux, Adélaïde, regardez. Oh, les chevaliers de la table ronde devenus carrés. Ça va, je suis bien coiffée. Et moi, je suis bien coiffée. Cessez donc de pousser des cris de Mélusine ou vous allez passer pour des dévoires goigneuses. Oh, quel rabat-joie vous faites, Aliénor. Chut, ils arrivent. Mademoiselle, sauriez-vous où se trouve le moignon? Mais absolument, si vous voulez bien me suivre. Qu'est-ce qu'ils sont incroyables? Ils sont incroyablement vaillants et robustes. Ils sont incroyablement perdus, si vous voulez mon avis. J'ai ouï dire qu'ils n'avaient même pas trouvé le Graal. Ce n'est qu'une question de temps. Venez, allons voir comment se passent les préparatifs. Thank you.
Messire ! Messire ! Nous avons un problème ! Lequel ? Il nous manque la paille avec le petit bout de crèche que vous m'avez apporté avec le crâne. Pas de soucis. Nous venons de rencontrer des voyageurs qui en ont. Les voici justement. Ah, mes chers amis, quelle aubaine ! C'est le Seigneur qui vous envoie, j'en suis sûre. C'est le cas de le dire. Nous venons de Bethléem avec une précieuse cargaison. Mais il faudra la restituer. Merveilleux. Bien évidemment. Comment, mon frère ? Vous n'allez tout de même pas accepter un cadeau de la part de ces païens ? Ce ne sont pas des païens. Ils viennent de résoudre notre mystère. Mais alors pourquoi tiennent-ils autant à un tas de paille qui a si peu de valeur ? Mais bien sûr ! Comment avons-nous pu passer à côté autant de fois ? Comment ça ? Voyons, la paille, c'est le Graal. Je crois que j'ai pas tout compris. T'as compris quelque chose, Gauvin ? Mais oui, évidemment ! Nous cherchons l'abondance et la richesse. Bah oui, c'est pour ça que ça peut pas être de la paille. Mais non, nous faisions erreur. C'est de Jésus dont les marchands parlaient. Le plus grand des rois lui-même est né sur la paille. Cela vaut bien plus que toute autre richesse. Messire, vous êtes sur le bon chemin. Mais la paille n'est qu'un symbole. Un symbole de son amour. Voilà ce qu'est le Saint Graal, l'amour de Dieu qui a donné son Fils unique pour les hommes. Ah oui, vu comme ça, ça fait sens. Ah, quelle bonne nouvelle ! Bon, allez les chevaliers. Il est temps de commencer. Ensuite, nous fêterons cela. Quand vous dites bonne nouvelle, vous parlez du Graal ou des évangiles ? Sous-titrus, arrête de ramener ton alchimie. Pardon, de vouloir un peu élever la discussion. Rends-toi plutôt utile en prenant le rôle de Joseph aux côtés d'Aliénor. Aliénor, puisque vous êtes prête, nous pouvons commencer. Volontiers, Cunégonde. Quant à vous, chers amis, je voulais vous proposer de prendre le rôle des rois mages. C'est un honneur pour nous. Et Marie donna naissance au roi des rois dans une étable, au milieu de la paille et des animaux. Plus tard, des mages arrivèrent pour offrir leur présent à l'enfant. Car Dieu, dans son amour infini, s'est abaissé jusqu'à naître sur la paille, pour sauver les hommes. La paille, par opposition au blé, est symbole de ce qui est faible et petit. Elle a accueilli celui en qui tout homme est appelé à placer son espoir et sa vie, Jésus, le Fils du Très-Haut. Souvenez-vous à quel point le blé a du prix à vos yeux, et la paille, si peu de valeur. Vous placez votre espoir dans un grain de blé, qui vous assurera une récolte certaine tout au long de l'année. Mais l'abondance et la prospérité, mes chers frères et sœurs, n'est pas seulement dans le blé ou les autres richesses de ce monde. Il est surtout dans l'amour de Jésus le Christ, qui a accepté d'être comme ce grain de blé, de tomber en terre et de mourir afin de porter beaucoup d'autres fruits. Et de donner encore plus de paille. Ma chère Cunégonde, tout est bien qui finit bien. Enfin, ce Graal m'aura vraiment mis sur la paille. Thank you.
Enfin, ils l'ont compris. Ça n'aura pas été faute de leur avoir répété.